on peut faire avec. La semaine prochaine, je ferai une révision générale. Alors, normalement, en septembre... Monsieur... Voyage. D'accord, ça veut dire que c'est le cas de la musique. Le plus important pour vous, ou l'examen ou les notes, mais le reste cru. Là. Non, non, monsieur, mais il attend le programme... غير الام اس بروجيكت خاص باقي على حتى انت تقرر واش زعما غادي تعطينا بروجي ولا اكزامون ايوا انتما فيزيت لا بروجيكت داكور بون مالغري سا فيزيت با نومبرو مانفويي لي تي بي دونك سا فو دير كو فو فولي با ترافايي دوسي ولا زافي با لو طون ولا الله يكون في العون المهم دابا شفت انا معاهم اكزامون اون بو با لو فير باسكو فو نيت با نومبرو افوار ام اس بروجيكت. Donc, je ne vais pas défavoriser les uns par rapport aux autres. Le mini-projet, ouais, c'est la même chose, parce que si je vous demande un mini-projet, il y en a qui n'ont pas le logiciel, donc ils ne pourront pas travailler dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un QCM, d'accord? Donc, questionnaire à réponse à choix multiples. Donc, avec des questions. Alors, il y a que des questions concernant MS Project et surtout des questions concernant la planification, le principe, comment on planifie, comment on aborde un projet, comment on planifie. Elle dit, c'est une démarche qui est la même que vous travaillez sur MS Project, que vous soyez sur Excel ou un autre logiciel de gestion de projet, ou là même après, si vous voulez prendre une feuille, un stylo, faire un planning, la démarche pour aborder le planning est toujours la même. D'accord? Donc, ça va être des questions, ça ne va pas être compliqué, c'est juste pour jouer le jeu de faire une sorte d'examen, un QCM. D'accord? Donc, un petit QCM, donc je pose une question, je vous donne un choix de trois questions, donc de trois réponses plutôt, et donc c'est à vous de choisir la réponse là, qui vous semble la plus logique. D'accord? Donc, on va faire comme ça. Donc la semaine prochaine, bon, moi, si je vous donne, je vous dis par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un jalon? C'est comme un jalon, est-ce que c'est une marque de ballon de football? Est-ce que c'est une recette de cuisine? Ou là, c'est un repère dans MS Project, d'accord? Donc vous allez bien sûr m'écrire, c'est une recette de cuisine, répondre, pour ceux qui connaissent la réponse. Alors. Donc le principe, vous avez compris. Donc demain, aujourd'hui, pour continuer sur mon cours, voir avec vous les quatre dernières choses que je voulais voir avec vous. Donc les deux dernières séances, Shuna, les ressources et les coûts. OK? Donc les ressources et les coûts, je vais aller sur le projet ADA. Donc on a travaillé sur le projet. Quand je dis on, moi et les gens qui ont fait qui ont essayé de faire le TP. Donc, Naya. Voilà, donc j'ai rentré les ressources et j'ai rentré les coûts. Alors, je vais juste prendre 5 minutes pour encore réviser ça. Donc, les ressources, je vous ai dit, vous les rentrez. Donc moi, on est là pour vous apprendre. Donc les deux méthodes. Donc vous rentrez si vous êtes du côté de l'entreprise, les ressources et les coûts. Si vous êtes du côté du bureau d'études, normalement vous n'avez pas besoin de les données. Mais admettons, vous êtes patron d'un bureau d'études, vous avez plusieurs personnes à votre charge, vous allez peut-être faire un planning dès les projets que vous avez, vos chantiers Mohamedia, chantier Casa, chantier Stat, projet immeuble, faites le chantier, vous avez l'ingénieur que vous avez mis sur le chantier, l'autre ingénieur sur ce chantier-là. Donc vous allez peut-être utiliser MS Project pour faire un petit planning. Vous allez distribuer les tâches et vos différents
collègues, là, les gens qui travaillent avec vous. Donc, regardez très les noms des ressources, peut-être même les coûts, les frais de déplacement et tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, Kane, ou bien vous allez rentrer ici les ressources. Donc, je vous ai dit, vous faites un grand clic comme ça et vous faites bouton droit affecter les ressources. Ou bien vous rentrez les ressources uniquement pour la tâche récapitulative, uniquement ici. D'accord? Bien sûr, on s'entend bien que si vous rentrez avec les tâches NAIA, ou bien vous allez rentrer donc avec des ressources qui sont, que ce soit ingénieur ou la maçon ou quoi que ce soit, générique, ou sinon vous allez les mettre nominativement avec leur nom et le groupe auquel ils appartiennent. Ingénieur Smith au béton, d'accord? Génie civil, un autre ingénieur, Mustafa, ingénieur fluide ou la clim ou la. Donc, si c'est dans le cas, vous avez, vous voulez faire un petit planning pour vos équipes de travail. Donc, après, je reviens ici. Donc, j'avais dit, on peut les rentrer ou bien pour chaque tâche, ou là, globalement, dans une tâche récapitulative, et vous affectez les ressources, le nombre de ressources qui est là, 2, 3 ou 1, en cliquant ici, et en allant dans ressources et en changeant les unités NAIA. D'accord ? Ou là, si vous mettez ici un groupe d'ouvriers, d'accord, ça va la même façon de procéder. Donc après, je vous ai dit que on rentrait les taux horaires, ou là vous rentrez les coûts d'utilisation. Chaque groupe, quand vous l'utilisez, alors ça dépend, vous tenez le projet, le budget de vélo et tout. Voilà. Donc après, je vous ai dit, on peut venir ici dans affichage et se balader entre faire le va-et-vient entre la table des coûts et des entrées, d'accord. Alors, table des entrées, des coûts plutôt, dans le diagramme de vente. On a les coûts fixes qui sont les coûts de la tâche, en dehors des coûts des ressources. Coûts fixes de la tâche. On va voir. D'exemple, ils sont là, 10 000 dirhams, 2 000 dirhams, etc. Donc, ça correspond au le prix total, il y a la tâche en dehors des ressources. Si j'ai ici une dalle en béton, ben des murs à démolir, on a une cloison. Le prix, il y a le béton, l'eau, le sable, etc. Ou la brique. On a le coût total, c'est la somme, il y a le coût fixe, donc le coût de la tâche, plus le coût des ressources. Alors, on a, j'ai 14 140 dirhams. Si je viens ici sur le tableau des ressources, ici dans la table des coûts, vous allez trouver ici 4140 dirhams, il y a dit. Donc c'est la somme totale, le coût de l'aide de la tâche, de l'aide des ressources qui sont allouées à cette tâche. Donc les voilà. Donc là, alors après, j'avais vu rapidement avec vous, je vous avais dit, si vous créez, vous donnez des avances, vous venez ici, vous créez avance numéro 1, avance numéro 2, vous mettez coût. Ça y est, table des entrées, vous créez avance, vous mettez type de type, c'est coût, d'accord, au lieu de travail, et donc vous mettez là, c'est très important, proportion. Au début, à la fin, ou proportionnellement à l'avancement des travaux. Je vous ai donné l'exemple là-bas du topographe qui va venir une fois sur le chantier au début du chantier pour une journée. Donc vous allez le payer, vous allez mettre au début à la fin, vous allez lui donner le montant de l'eau, de l'eau, le déplacement plus les honoraires de l'eau, 1000 dirhams, 1500, ça dépend de la taille du projet. Donc ça c'est pour les ressources. Je vous ai dit aussi que pour éviter de faire le va-et-vient entre la table des coûts et des entrées, vous pouvez venir ici et rajouter ici des colonnes de coûts fixes, des colonnes de coûts, des colonnes de coûts réels et de coûts restants. Le coût fixe, le coût réel, le coût total et le coût réel. Le coût réel, c'est, pour l'instant, il est de zéro parce que pourcentage égale zéro, mais dès qu'on avance dans le projet, on rentre les pourcentages, le coût réel va changer. Il correspond à ce qui a été réalisé. Le coût restant, c'est la différence entre le coût global pour chaque tâche, moins le coût réel, jusqu'à ce que le coût restant soit équivalent à zéro et que le coût réel
touche revient au maximum du coût de la, du coût de la tâche. Donc ça, c'est pour les, avec la petite révision rapide. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les quatre choses. On va revenir ici. On va revenir parce qu'une fois, donc ça, c'est le planning initial. D'accord? Le planning initial, c'est le planning qu'on fait avant le début du projet. On a fait un joli planning, on est plus ou moins sûr de nos durées, de la fin du projet et tout. Ensuite, il y a le projet dans la réalité. Donc, le projet, quand on commence, il y a toujours des, il peut y avoir des retards, des modifications dans les plans, des intempéries, plein de choses qui peuvent ralentir ou retarder le projet. Donc, en fait, on fait le suivi de projet. Donc, le suivi de projet, comment on va l'aborder? Donc, rapidement, je vais vous montrer quelques points importants. Donc, on va aller dans le projet. Donc, rappelez-vous, projet, à de la partie, elle est cool là. On avait travaillé dessus pour... le vérifier, ou là, à ce moment-là, je vais calculer le projet. Il va calculer pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Ensuite, il y a déplacer le projet. Donc, déplacer le projet, c'est-à-dire que j'ai fait mon planning et à ce moment-là, mon maître d'ouvrage me dit, ah, on ne peut pas commencer le projet, ça fait, Corona est arrivé le 18 mai. Au lieu de commencer le projet maintenant, on va attendre la fin du confinement, donc on va aller au 18 juin. Donc, je vais venir ici et dire, déplacer le projet au 18 juin, par exemple. Là, on va commencer un lundi, on va dire le 15. Voilà, on va faire OK. D'accord? Donc là, j'ai déplacé, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les petites couleurs bleues ici qui s'affichent. Donc je viens, je fais calculer le projet. Très bien. Donc là, on a vu les deux, les trois. Et je vous avais dit aussi, ici, important, qu'il y a une la date d'état et mettre à jour le projet. La date d'état, elle nous indique, elle peut nous indiquer à n'importe quel moment dans la vie du projet ou la même avant de commencer. Si je veux avoir une idée liée à l'avancement des travaux, à quel moment, chaque mois ou là, toutes les quinzaines, en pourcentage, si le planning, si le chantier avance bien correctement suivant le planning, où je vais en être. Donc, là-bas, ici, j'ai mis début le 15-6. Je vais dire ici, il y avait le 29-6. Le 29-6, ça correspond à un lundi. On va dire, là, le 27, par exemple. OK, samedi 27, à 18h, OK. Et je vais mettre à jour le projet. Je fais OK. Et il me donne ici le pourcentage d'avancement. D'accord? Jusqu'à la date du 27 juin. Donc ici, si je vais quelque part, là, on est à 0. Voilà, 13%, voilà, jusqu'au vendredi 26 juin, 27, Dina, je vais demander, donc on est à 13%, travaux de mes amis, au total on est à 23%. Très bien. Donc maintenant, tout ça, je vais le ramener à zéro. Je vais revenir sur tâche, pour arriver à la démonstration que je vais vous faire. Voilà, projet, calculer le projet. Voilà, là j'ai tout remis à... Non, je n'ai pas tout remis à zéro. Tâche, zéro. Voilà, je vais tenir les derniers projets. Calculer le projet. Très bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur, oui. OK. Alors, maintenant, regardez. Donc, je commence le projet le 15-6.
je vais venir ici, je vais dire, regardez, Indiana a l'option à dire, définir le planning de référence. D'accord? Alors, ça veut dire quoi définir le planning de référence? J'ai fait un planning, mon projet n'a pas encore commencé. Je vais enregistrer le planning, il va devenir la référence. Et après, si j'apporte des modifications dans mon projet, ou si je fais le suivi de projet et je veux, si le suivi est exact au planning de référence, c'est très bien. Par contre, si j'ai pris du retard dans certaines tâches, si j'ai déplacé des tâches, il va me sortir, il va m'indiquer mon planning de référence, à côté duquel il y aura le planning, il y a le suivi. Alors, comment on fait? Je viens ici, donc je clique sur le bouton « Définir le planning de référence ». Donc je clique « Définir le planning de référence » pour l'ensemble du projet, d'accord? Et je fais « OK ». Et il y a des options, tâches sélectionnées, j'aurais pu sélectionner des tâches et dire « Pour les tâches sélectionnées ». Là, on prend « Pour l'ensemble du projet », ici. Et je fais « OK ». Donc là, il m'a enregistré, si vous voulez, de la copie de ce planning. Donc maintenant, admettons que je vais aller faire le suivi de mon projet. Très bien. Donc, Amchil affichage. Regardez. Et je vais ici dans... ici. Un des deux choix. Je peux venir ici. Et suivi donc. Alors, regardez ce qu'il m'a mis maintenant. Ici, regardez de ce côté. Ici, j'ai des barres de deux couleurs à chaque fois. Bon, donc les barres rouges et bleues, donc les rouges, c'était des tâches critiques. On avait vu ça, parce que c'était une tâche critique. C'est des tâches qui doivent être exécutées en temps et en heure, avec la durée exacte. Si elles prennent du retard, elles vont, le retard va se répercuter sur les autres tâches. Donc, c'est les tâches en rouge et les tâches en bleu, c'est les tâches qui ne sont pas critiques. Alors, ici, on a sous chaque tâche deux barres. En fait, on a pour chaque tâche deux barres. La barre qui est en bas, en noir, ici, ou là, en gris, c'est la tâche qui correspond au planning de référence que j'ai enregistré tout à l'heure. Pour l'instant, elles sont toutes égales. Le projet n'a pas encore commencé. Admettons que je vais venir ici, je vais dire tâche. Alors, là, regardez, ici, j'étais dans... bon, on a affichage, diagramme de Gantt, suivi Gantt, ou là le diagramme de Gantt. Quand je fais diagramme de Gantt, la tâche en noir, elle disparaît. Quand je fais ici suivi Gantt, elle réapparaît. OK? Alors, donc je viens ici et je vais dire, je vais faire un avancement de mes tâches. Par exemple, je vais venir ici, je vais dire cette tâche, elle est finie à 100%. D'accord? Donc regardez, la tâche maçonnerie, elle est finie à 100%, la barre est devenue blanche entièrement. Si j'avais mis juste 50%, regardez ici, je vais faire un zoom. Les 50% de travaux de maçonnerie, ça représente 100% des trois tâches, et après 19-19. Sinon, pour être plus clair, je vais faire ça. Je prendrai de la tâche, je vais dire qu'elle est faite à 50%. Voilà. Donc vous voyez ici, il m'indique en bleu foncé l'avancement de ma tâche, 50%. En bleu clair, ce qui reste à travailler, les autres 50%. Et en gris, en bas, c'est le planning initial. D'abord, je vais venir et je vais dire à la tâche ready. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire. Là, je vous ai fait de la démonstration de ça. Je vais dire, par exemple, je vais déplacer mon projet, comme tout à l'heure. Je vais venir ici, projet, déplacer le projet. Donc, le projet a commencé le 15 juin. Je vais dire déplacer le projet au 22 juin. Je fais OK. Regardez ce qui s'est passé. D'abord, là, en noir, c'est mon planning de référence que j'avais fait au début, qui commençait le 15 juin. Là, il y a le 15 juin. Donc, il me garde, si vous voulez, la trace d'ILO, elle est là.
Et après, toutes mes tâches ont été déplacées. Ça, je voulais montrer juste pour vous montrer comment ça se au niveau du dessin, pour comprendre. Bien sûr, je ne vais pas faire d'opération si jamais je déplace mon projet. Moi, je m'en fous après du début que j'avais mis le 15 jours. D'accord? Donc, à WADA, ça, c'est le planning de référence. Ça, c'est la nouvelle date avec le décalage. Donc, si je reviens ici, je fais ça. Voilà. Et maintenant, je vais dire, à de la tâche à dit, elle ne va plus durer 2 jours et demi, elle va durer 4 jours. D'accord? Donc là, je peux voir que ici, mon planning de référence que j'avais fait, je devais durer 2 jours. D'accord? Et derrière, 2 jours et demi, elle va durer 4 jours. Donc je vois la différence. Maintenant, comme on a gardé des liens, j'ai gardé des liens derrière, les liens ne m'ont pas changé. Donc, comme elle la tâche, elle est début-début, d'accord? Si ce n'est pas une tâche début-début, regardez ce que je vais faire. Je vais enlever LDD et je vais mettre 3. D'accord? Regardez ce qui s'est passé. Les deux tâches commençaient en même temps. Donc, ce n'était pas grave que l'autre qu'elle est 4 jours, l'autre 2 jours et demi. Mais maintenant, comme elles sont liées, mon projet a pris du retard. Décalé. Il s'est décalé. D'accord. Alors maintenant, autre chose, admettons, elle dit, je garde la même durée et je vais décaler la date. Je vais dire, elle ne va pas commencer le 4. Je vais dire, voilà, elle dit, elle va commencer 4. FD plus 2. D'accord. Donc, à mon décalage, quand je fais mon suivi, là, je m'aperçois que j'ai des tâches. OK? Vous avez vu les tâches critiques? Dès que j'ai décalé, elles se sont décalées les unes après les autres. Après, les tâches qui ne sont pas critiques, il y a une partie qui est exécutée et d'autres pas. Donc, à Adoma, les choses importantes dont il faut... Alors, planning de référence. OK. Donc là, bien sûr, comme c'est un projet, j'ai déjà fait les liaisons, il y a des liaisons FD, donc vous avez pas mal de tâches critiques. C'est pour ça que j'ai le décalage comme ça. Et sinon, des fois, je peux avoir, si je viens ici, dans cette tâche, je vais dire, elle dit la tâche 11. Bon, voilà, regardez, Naël, combien le décalage entre cette tâche, entre le projet initial qui était là, d'accord, et la tâche raccordement des sanitaires, vendredi le 3/07. Voilà. Alors que ici, elle était 2 jours avant, normalement, puisque j'ai tout poussé de 2 jours, donc je vais retrouver avec le retard. Donc ça me permet de vérifier, mais d'avoir sous les yeux, si vous voulez, une ombre de mon planning initial, le planning de référence, et le nouveau planning. Ça me permet aussi, ça je peux le faire au même pour le suivi, comme je peux faire, si vous voulez, extrapoler à l'avance, dire voilà, si je retarde le projet de tant de jours, ou là si je décale telle tâche, qu'est-ce qui va se passer? À quelle date je vais finir mon projet? Donc voilà. De moi, les choses dont il faut se rappeler pour l'histoire pour le suivi. Donc après, si je veux enlever l'affichage de mon suivi, ici, je viens là dans affichage, je fais diagramme de Gantt. Donc là, j'ai la nouvelle date, avec les nouvelles 4 FD plus 2, tout ce que j'ai changé, je veux le faire apparaître. Je viens et je le fais apparaître. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire d'IEL, le suivi de projet. Donc, je répète, vous allez dans projet. Le premier planning que vous avez fait, alors bien sûr, vous pouvez prendre, faire plusieurs plannings de référence. Et bien, admettons que vous avez fait un choix, c'était un planning. Vous avez fait un autre choix d'un planning. Vous pouvez venir ici, définir le planning de référence, la regarder ce qu'il a même.
Planning, premier planning de référence, dernier enregistrement le jeudi 4 à 16h20. Si je viens ici, que je dis planning de référence 1, je fais ça. Donc, il m'a enregistré et de planning, je l'ai déplacé comme ça. D'accord? Donc, après, si je veux l'indiquer, je vais aller dans l'onglet format ici. D'accord? Planning de référence, il va me dire lequel tu vas choisir. Je vais lui dire, par exemple, celui-là. Un web. Tu sais? J'ai pris le premier plan, le deuxième planning, il va me dire la référence 1. D'accord? Si je veux le premier, je viens ici. Hein, le premier que j'avais fait. Daoutani, qui correspond au deuxième, où j'ai déplacé la date, où j'ai fait des petits changements. D'accord. Alors, Daoutani, je peux le prendre, Daoutani, faire mes changements, enregistrer ça sous planning de référence 3. Et je peux, ça peut servir aussi quand on fait un planning initial, de s'amuser, bon, s'amuser, c'est pas le terme, mais de voir quelles sont les possibilités au niveau de la planification. Donc, trois choses. Onglet projet pour créer, définir le planning une fois que vous l'avez fait. Et vous enregistrez, vous avez 11 possibilités plus la première, ça fait 11 d'enregistrer des plannings de référence. Une fois que vous l'avez enregistré, vous allez dans affichage. D'accord? Ou là, même si vous restez, bon, même pas, là, vous cliquez ici sur diagramme de Gantt pour revenir au diagramme, sinon le suivi Gantt. Sinon, ici, vous avez dans les tables, ici, c'est le suivi. Alors, là, quand vous faites suivi, il vous donne ici aussi, si vous voulez, une récap. Pour l'instant, le travail n'a pas encore commencé, on est à 0%, début réel, fin réel. Okay? Donc, si je viens ici, que je mets, par exemple, Ada tâche 75, voilà, il m'a mis ces tâches là, elles ont commencé tel jour, elles ont fini à tel jour, réellement à tel jour. Ok, donc voilà. Ensuite, donc je vous ai dit, voilà, donc je reviens sur affichage, table, entrée. Voilà. Donc Ada, c'est alors, regardez, même ici, Naya, regardez. Naya, si je vais avec l'autre planning, alors onglet format, planning de référence, Ada, voilà, je reviens sur celui-là. Vous allez trouver un décalage, même dans les... le planning initial, cette tâche récapitulative, elle finissait ici. Avec le déplacement, elle finit ici. D'accord? Donc, partout... J'ai au niveau des tâches récapitulatives, la tâche récapitulative principale, il y a le projet. Il y a le décalage qui apparaît. Donc voilà pour le suivi. Donc maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est l'histoire des filtres. D'accord? Alors les filtres, on va aller ici dans affichage. Alors filtre, comme son nom l'indique, ça veut dire filtrer, filtrer des informations. Donc, je vais prendre, regardez ça, et je vais dire, je vais commencer par la première, la partie ID. D'accord? Ici, si je clique sur trier, ici, date de début, mon planning, en fait, il est planifié et structuré par rapport à la date de début. Si je mets ici, date de fin, d'accord? Il a inversé, alors attendez, pardon. Je m'approche 0%. Voilà. OK. Projet. Calculer. Donc, je reviens dans ici. Date de fin. Trié par date de début. Date de début. D'accord. Alors, après, comme j'ai rentré les coûts ici, d'accord, si je dis trié par coût. Alors voilà, il m'a trié mes tâches par ordre croissant, ou la décroissant plutôt. La première tâche, celle la plus coûteuse, travaux de maçonnerie coûte 35 milliards, plus la main-d'œuvre 40 400. Après, j'ai l'aluminium, le faux plafond, la peinture, imagine si on va trouver le nettoyage et la menuiserie bois. Okay. Donc ça, c'est...
trier par date de début, date de fin, priorité. Donc ça, si vous avez entré des priorités, des numéros et tout. Donc je viens, reviens ici, date de début. Ensuite, ici, vous avez deux petites choses ici, afficher les tâches subordonnées ou là, les masquer les tâches subordonnées. Donc, si je fais ça, bon, je sais, c'est de la tâche subordonnée de la travaux de maçonnerie, et afficher, masquer, d'accord, afficher, voilà, c'est là de la tâche ID. Si je viens là, masquer, afficher, d'accord. Alors, après, ici, bon, les tables, c'est ce qu'on a vu depuis deux, trois séances. La table des coûts, des prévisions, résumé, tout ça. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas vues ici, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, je vous l'ai montré. Ensuite, on arrive ici, dans cette partie où j'ai ici surligné. Donc là, je vais avoir des informations qui vont être surlignées. Là-bas, je vais dire ici, tâche critique. Alors, vous avez vu ici, juste pour vous expliquer, les tâches critiques, c'est les tâches rouges. Quand on a un format, si j'enlève le clic ici, elles ont disparu. D'accord? Si je reviens ici, elles réapparaissent. Bon, ici, je vais sortir de mon affichage en suivi pour aller des grammes de gants. Voilà. Donc, format. Voilà. En mode, elles sont bleues. Quand je vais faire apparaître les tâches critiques, je clique dessus. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire après? Donc là, ah oui, ici. Voilà. Donc je vais venir ici, surligner, je vais dire, affiche-moi les tâches critiques. Donc il va me mettre en jaune tout ce qui est tâches critiques. Maçonnerie, mezzanine. Travaux aluminium, travaux parking. Voilà. Le reste n'est pas considéré comme critique. Voilà. Si je lui dis... Tâche récapitulative. Voilà, il m'a rendu en mis en jaune toutes les tâches récapitulatives. En mode. Quand vous avez un grand planning, vous recevez un planning de chez quelqu'un et que s'il l'a bien fait, ou là, même si vous voulez afficher des informations, vous allez dans le header filtre. Donc tâche récapitulative. Après, bon, si je mets tâche inachevée, bien sûr, il va me mettre tout en jaune et c'est un découché à 0%. Ici, non surligné. Donc si je viens et je dis mezzanine achevé à 100%. D'accord? Voilà. Je fais n'importe quoi pour vous montrer qu'il va aller chercher l'information 100%. Donc je vais revenir ici, affichage, et je vais dire tâche achevée. Donc là, il a surligné les tâches qui ont été achevées. Donc voilà. Donc là, et si je mets tâches inachevées, il va surligner tout le reste et enlever le surlignage de les deux tâches qui étaient achevées. Donc ça, voilà. Donc c'est pas compliqué, vous regardez ce qui vous intéresse, tâches en retard, tâches inachevées, tâches... Alors, utilisant la ressource, vous pouvez venir cliquer ici, dire voilà les tâches qui vont utiliser le peintre. Ok. Un moment, hop, je viens de la voir. Ah, il est dit peintre. D'accord. Donc, ça, c'est un côté pratique dans ce truc-là. Utilisant la ressource. Ça, la première option, c'est pour surligner l'information. Il me garde toutes les tâches et me surligne celles dont j'ai besoin. La deuxième, c'est un filtre. Ici. Ok. Je vais lui dire, tâche achevée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever toutes les autres tâches. Il va me garder que les tâches achevées. Donc, j'avais mis mezzanine et menuiserie. Bon, d'accord. Vous avez vu la différence? Si je viens que je mets inachevé, il a d'autres, il a de l'écoulement à 0%. Donc, aucun filtre. Après, bien sûr, si je mets tâche critique,
Pourquoi là, pour les travaux de peinture, je l'ai mis une tâche critique. Alors, attendez. Et là, il n'y a aucun filtre. Travaux de maçonnerie. OK. Ah, j'ai enlevé le... Il fallait que je vienne ici dans format. Mais là, je m'approche de tâche critique. Bon. C'est un bug lié à la haute lié à la maîtrise projet. Je viens dans tâche, je fais 0. Ah, voilà. Calculer le projet, je reviens dans affichage, je dis ici, retenez les tâches critiques. Voilà, il a enlevé toutes les autres tâches, je relève les tâches critiques. Donc, si je viens ici, je dis ressources, là-bas, parquet, OK. Donc, voilà, il m'a gardé juste la ressource parquet. Donc, si j'ai l'information cherchée dans un très long planning, je vais dans les filtres. Donc, voilà, aucun filtre. Donc, là, il y a tâche critique, tâche en retard, tâche inachevée. Donc, vous avez compris le principe. Les jalons, si j'ai des jalons, d'accord? Merci. Nouveau filtre, vous pouvez même créer un filtre. Si vous faites nouveau filtre, attendez, ouais, l'explication des chenouades, le filtre et tout, bon, c'est... Hop, qu'est-ce que j'ai mis là? Avertissement, calendrier des tâches, allocation des coûts. D'accord? D'ailleurs, la colonne coule là, vous pouvez rentrer des choses réelles. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est juste pour... Alors maintenant, donc, on a vu à discorder les filtres. Hada, groupe. Bon, Hada, ça... Ça va faire les jalons, il va grouper des choses. Par durée, par priorité, tâche critique. D'accord? Je fais ça. Ah ouais, il a créé des groupes critiques. Il a créé un groupe critique. Hado non, Hado oui, elle est tâche critique. Donc si je viens ici, je dis Hadaba à ressources, il va me créer des tâches. Hado oui, par les ressources. Nom des ressources Carleur, elle est tâche diagonale. Électricien, voilà ses tâches. Alors si j'avais Mehmed, Mustafa, Ali, machin, donc les Mehmed fait le mal des tâches d'Ahmed, la DL Ali, etc., il va me sortir les tâches. Donc ça aussi, ça peut servir. Donc là, aucun groupe. Voilà. Donc là, on a vu l'histoire Ali, DL, donc les filtres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, il y a un zoom. Le zoom arrière, zoom à l'ouest, la partie zoom qui est ici. D'accord. Projet entier, est-ce que vous voulez voir tout le projet? Quand vous cliquez sur projet entier ici, OK. Et là, il y a tâche sélectionnée. Je vais pas sélectionner les tâches. Alors, si je fais ça, tâche sélectionnée, il va me montrer la tâche que j'ai sélectionnée. Il va me la sortir en zoom, tout simplement. Très bien. Là, il y a... Alors maintenant, donc on a vu le suivi, comment faire un suivi rapidement. Bon, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps, surtout en classe. Bon, après les filtres, d'abord, on va voir les rapports. Comment faire un rapport avec MS Project. D'accord? Donc vous avez ici l'onglet rapport. Alors, ce n'est pas compliqué. Il faut juste cliquer sur des boutons. Là-bas, ici, rapport sur les ressources. Aperçu des ressources. Voilà. Donc, il a le temps qu'il calcule, il m'a sorti un rapport que vous pouvez imprimer à les ressources, à le maçon. En fait, ils vont travailler 200 heures, le plombier, le poseur de staff, etc. Travail restant, pour l'instant, on est à zéro, donc il n'y avait pas encore de travail. Travail inachevé. Alors, quand même, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir dans les tâches et je vais donner un avancement de mes tâches. Ici, je vais dire maçonnerie 100, travaux de plomberie 75, électricité 75, mezzanine 50, au plafond 25, en vêtements 25, la machine à cas pour avoir juste une idée. Voilà. Quand on va rentrer
très haute parquet 25. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, je vais aller dans projet. Rapport, pardon. Aperçu des ressources. Donc, vous voyez, les couleurs ont changé. Le bleu, c'est le travail réel. Le maçon, ça, il a fini son travail. Le plombier, voilà, tout ce qui était à 50%. Ou là, ferronnier, 50, 25. D'accord? Donc là, voilà. Ici, j'ai le maçon. Travail restant 0 heure. Plombier, mais elle est 13,5 heures. Poseur de staff, 108. D'accord? Donc là, vous avez un rapport. Ensuite, si je viens ici dans rapport et je dis, j'étais dans ressources, je lui dis ressources surutilisées. Comme je n'ai pas de ressources surutilisées, il me met 0. Ensuite, et ici, les coûts. Aperçu de coût des ressources. Si je fais ça, il va me sortir le coût des ressources. Clairement, donc c'est une échelle de coût avec les milliers de dirhams, 2000 machins. Voilà, ici j'ai le maçon, ils sont payés à 20 dirhams. Et donc tout ça, vous pouvez l'imprimer et le diffuser. Donc le nombre d'heures de travail, le coût réel, etc. Donc si je reviens ici, donc j'étais dans les coûts des ressources. Vu d'ensemble du coût de la tâche. D'accord? Alors, à Omado. Donc, je ne sais pas si j'avais cliqué sur une tâche précise ou là, mais état des coûts entre sol et MC. Donc là, il me dit, voilà, le coût réel, le coût restant, donc état futur, état retard 100, et ici, vous allez trouver, voilà, coût de référence, le coût total 146 000, le coût restant 88 000. En fait, c'est un résumé avec des diagrammes, des camemberts. Donc là, je reviens ici, rapport. En cours, je n'ai un tâche critique. Là, il va me sortir un dernier diagramme des tâches critiques. D'accord? Donc, ici, donc, en cours, rapport de jalon, si j'avais des jalons, tâche en glissement, tâche en retard, ressources, coût. Je vais venir ici, tableau de bord. Si je dis avancement, il va me dire ici, il y en a atteint des cours. D'accord? Travail cumulé restant de référence. Je sais. Avec le planning de référence, il y a la ligne grise. Travail cumulé restant. Travail cumulé réel restant. Voilà. Avancement des tâches, avancement du travail. Donc, elle dit pour les coûts. Non, tableau de bord. J'étais dans le tableau de bord. Vu d'ensemble du projet. Un Wada, Outani, me dit ici, je suis à 47%. D'accord? Début le 15-6, fin le 8-09. Je suis à 47%. Voilà. Ici, tâche en retard. Il m'a sorti à des tâches à deux en retard. Bon. D'accord? Voilà. Ensuite, rapport. Tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vue d'ensemble du travail. Alors ici, on a mis en route, je n'ai pas mis en route, créer des rapports. Alors, ça c'est un peu plus complexe. Vous pouvez créer vos propres rapports personnalisés. Puis de manière à dire, on a un nouveau rapport. C'est comme dans PowerPoint. Vous voulez créer un fichier PowerPoint, vous mettez le, oui, monsieur. La fenêtre pour écrire le texte, vous la déplacez, vous mettez des colonnes, tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Maintenant, personnalisé à Outani. D'accord? Récent. Avancement. Alors, les choses que je viens de montrer tout à l'heure, sur lesquelles j'ai cliqué, Anat, il me fait un petit résumé de ce que j'ai demandé. Anaya, je viens de rapport visuel. Pour exporter un fichier. Donc là, voilà, rapport d'audit des coûts dans le temps. MS Project, bon, de tirer sur une année complète pour vraiment mais déjà avec ce qu'on vous avez vu, normalement, vous êtes capable de faire un planning et même un peu plus rajouter des coûts, les ressources.
plus de détails. Alors maintenant, bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai la dernière étape, quand on a fait un planning, c'est de le diffuser. D'accord? Donc, je vais revenir ici, diagramme. Oui, alors, je l'ai diffusé, ça veut dire que, ou bien vous avez envoyé le fichier par mail à quelqu'un, d'accord, donc ça, c'est pas compliqué, ou bien vous allez l'imprimer. Donc, imprimer le planning. Donc, imprimer le planning, en fait, c'est ce qu'on fait toujours, parce qu'on l'affiche dans une salle de réunion, où là, on l'imprime en petit format, là, un autre format, et on le diffuse. Donc, maintenant, on va voir comment imprimer. Alors, je reviens ici, dans Fichier. Alors, en général, c'est bien d'imprimer sur un grand format, parce que c'est beaucoup plus clair. Donc, bon, ça dépend, bien sûr, d'il y a le projet, combien il comporte de tâches. Donc, et de quel type d'imprimante vous avez. Alors, je vais aller dans Imprimer, ici. Voilà. Donc là, regardez ce qu'on a. Ici, il me dit, il va m'imprimer 12 pages en format A4, format paysage. Alors, le format A4, voit le format HADA 21-29-7. 21 sur 29-7. Le format A3, c'est 42 sur 29-7. C'est deux fois de la feuille. Donc, 2 fois 21, ça fait 42 sur 29-7. Le format A2, c'est le double de A3. La machine jusqu'à A0. Donc après, on a le rouleau qui est dans le traceur, qui est un peu plus grand. Donc là, vous choisissez donc d'abord votre imprimante. Bon, là, on est sur PDF, Microsoft PDF. Je vais garder ça comme ça. Et première des choses, alors qu'est-ce qu'on constate? Ici, il me dit, est-ce que tu veux imprimer le projet entier? Ou là, imprimer des dates spécifiques? Alors, si il me dit imprimer des dates spécifiques, je clique sur Ready et je viens ici, je choisis les dates que je veux. D'accord? Là-bas, au bout d'une semaine, ou là, je vais venir ici, je vais dire ici, le 16 juillet. Il m'a déjà enlevé 4 pages. 1 sur 8 au lieu de 1 sur 12. D'accord? Ensuite, je peux rentrer le numéro des pages si je veux. C'est comme dans un index. Je peux lui dire je veux que la page 1 à 4. D'accord? Ici, c'est l'orientation de la page où je porterai le paysage. Donc, paysage, c'est comme ça. Ou là, des fois, vous entendez le mot à l'italienne. C'est comme ça. Il y a paysage ou la portrait. Alors, je vais venir ici. Propriété d'imprimante. Regardez ce que je vais faire. Je vais dire ici, la paysage avancé. Je vais changer le format. Je vais mettre A3. OK. OK. Regardez ici ce qui va se passer. Déjà, vous laissez une page sur 4. 4 pages plutôt, et déjà on voit une partie de le diagramme. Donc là, si je viens ici, je lui dis imprimer le projet entier, à WADA, donc le planning. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque sur ce planning-là? C'est que ici, j'ai une légende. À la légende, elle peut être intéressante si j'ai une seule feuille à imprimer et que tout est clair, je peux l'imprimer. En général, bon, la légende, elle est beinage, normalement les tâches, les barres, elles sont évidentes, les liaisons, surtout si vous rajoutez des informations ici. Donc des fois, la légende, elle prend de la place sur une feuille. Donc comment on va faire pour régler un certain nombre de choses? On va venir ici dans mise en page. Mise en page. Alors ici, donc vous avez ici format portrait, format paysage. On va dire d'abord ajuster. Donc je vais dire ajuster, d'accord? Si je fais OK, Awada, Amelia, même malgré ça, Amelia, une page sur deux. Peintre, service nettoyage. Pourquoi j'ai une ligne rouge ici? Je vais juste vérifier un truc rapidement. Peintre. Atteindre la tâche. Donc, il y a un petit bug, je crois, MS Project de chez Hajj, il me met une ligne ici que je n'ai pas ici. D'accord? Donc, je vais revenir. Alors. Donc, je vais revenir ici, fichier, imprimer. Donc, maintenant, je vais dérouler mise en page. Je vais mettre ajuster.
ajuster ça aussi. Donc, quand vous travaillez sur Excel, c'est pratique. Ça peut ajuster tout le tableau sur une feuille. Donc, après, il y a des onglets. Donc, page, il y a dit. Marge. Donc, les marges, c'est ces parties-là sur les côtés. D'accord? Je peux augmenter les marges. Moi, il y a des parties, il y a dit. Donc, je peux diminuer, je peux augmenter. 1,4 et diminuer. Voilà. Donc, si je diminue, je peux rentrer peut-être. Alors, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Donc, ça dépend du papier que vous avez. Ça dépend de beaucoup de choses. Si je fais OK. Vous avez vu, il a grignoté un peu sur les bords. Oui, monsieur. Je reviens ici. En tête. Alors, l'en-tête, ça veut dire qu'est-ce que je vais mettre, le titre que je vais mettre ici en en-tête. Je vais venir ici, je vais écrire. Projet Corona. Voilà, entre sol, MC. Et je fais OK. Normalement, il est lié à d'accord. Bien sûr, je peux choisir le pas. Le caractère, d'accord, je peux choisir ici, changer des trucs. Voilà, le type surligné, barré, machin, d'accord, en grand, taille, d'accord, par exemple, je fais ça, je suis barré, souligné, les couleurs, par exemple, rouge, je suis bien tous les dessins. Ok. D'accord. Alors, donc ça, c'est l'en-tête. Après, j'ai le pied de page. Donc, le pied de page, c'est vous allez mettre les numérotations des pages qui vont être indiquées. Si vous allez imprimer plusieurs documents, vous mettez page. D'accord. Donc ça, c'est pas compliqué. Après, ici, c'est là où ça se joue, c'est la légende. La légende. Alors, attendez, je reviens ici pour taille réelle. Voilà. La légende, elle dit, je vais l'enlever. Elle me dérange, j'aime pas. Donc, je vais venir ici. Légende. Et je vais dire, pas de légende. La page de légende, aucune page, pardon. Aucune page. Donc, si je mets légende sur aucune page. Si je mets page de légende, il va m'imprimer sur une seule page la légende. Et sur les autres pages, il n'y aura que le planning. Donc moi, je vais dire aucune page pour l'instant. Et je fais OK. Donc, Hawa Mshali avec la légende Mshat. Après, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai affichage. D'accord? Imprimer toutes les colonnes du tableau. Si je fais ça, et ça, d'accord? Il va m'imprimer toutes les colonnes avec les coûts, exact, tout ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc, on a dit imprimer toutes les colonnes, ou là, imprimer les trois premières colonnes sur toutes les pages, imprimer les remarques, etc. Donc, ça, je le fais quand je vais imprimer tout le planning, j'ai un grand format de papier, c'est bien. Donc, maintenant, Adinji, on amène imprimer. Donc là, je vais aller dans bureau, aussi, sur le bureau. Et je vais dire planning. Test planning. Donc si je ferme ici, et là, donc test planning à haut, je viens là. Et donc là, voilà, j'ai mon planning. Donc, admettons que vous avez fait le planning, vous devez l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas MS Project. Donc, vous allez l'imprimer en format PDF. On va dire, c'est toi, il est prêt à cas. Voilà, donc lui, à ce moment-là, donc si je fais un zoom ici, vous avez tout. Non, regardez. Projet entre sol, le coût fixe et les différentes tâches. La ligne, la date de début, la ligne d'IALA, l'autre date, ligne de début. C'est-à-dire la date du jour, etc., etc. Donc voilà.
Donc, ok. Je suis venu à la ligne rouge, je l'ai dit. Elle dit normalement. Ma kinesh, j'ai vérifié. D'où elle vient, ça doit être un petit bug. Donc elle dit, que ma kinesh est de la ligne rouge, il m'aurait agrandi mon planning et ce serait fini ici. Bon, pas envie de chercher de voir chez moi quel est le problème. Donc voilà. Donc ça, l'impression du planning. Donc, voilà. Alors, on a appris à partager. Donc, si vous voulez envoyer un courrier par mail, vous faites partager courrier, il va vous ouvrir Outlook Express et il va vous l'envoyer. Exporter Java, créer PDF, la XPS, donc tout ça. C'est. Donc, j'espère que voilà, c'est clair un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Ben, de l'impression, ça va vous servir parce que c'est important. Les rapports, ça peut vous servir si vous voulez imprimer des choses. Les filtres, ça va. Moi, tout ça, c'est pour que vous sachiez ce qui existe dans MS Project et ce qu'on peut faire. Alors maintenant, la dernière demi-heure qui me reste, je vais en profiter parce que les autres classes, surtout une des classes, les NIFMERIF, bon, c'est des gens qui suivent un peu, me posent des questions. Donc la semaine dernière, je vous avais montré le site web. D'accord? Alors. Site web ici, celui-là. Alors je ne sais pas si vous êtes rentré dedans, vous avez fait un petit tour pour voir comment il est fait. Donc, parce que la question qu'on m'a posée, ah monsieur, on n'a jamais vu des marchés, on ne sait pas comment les marchés sont faits, le bordereau, etc. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui les marchés, il y a le revêtement. Le lot revêtement de l'école MCA Rabat, là, qui est en cours, est pratiquement fini. Donc, je vais vous montrer la différence entre le CPS, le CPT, le descriptif et Smith. Donc là, pourquoi je reviens à le site Hadar? Parce qu'il est important. La dernière fois, je voulais montrer rapidement, mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment on pouvait l'utiliser. D'abord, je vous ai dit que c'était gratuit pour vous inscrire. D'accord? Et c'est tout. Donc, vous choisissez la région sur laquelle vous voulez avoir des informations au niveau des prix. Et vous avez une liste des choses. Alors, regardez. D'abord, on a une structure et grosse œuvre. D'accord? Je vais prendre mur. Je clique sur mur. La dernière fois, j'avais cliqué sur DAV. Alors, certaines démolitions. Si je démolis des murs, d'accord? Si je clique sur ça, est-ce que je vais démolir un mur en béton armé? Est-ce que je vais démolir un mur de façade en panneau préfabriqué en béton? Est-ce que je vais démolir un mur en maçonnerie? Si je dis un collet, un mur en maçonnerie, par exemple. D'accord? Est-ce que c'est des briques, type de maçonnerie? Je brique en terre cuite, la brique, ou là, des blocs en béton. Ou je fais de la brique, elle est creuse, ou la perforée, ou là, elle est pleine. D'accord? Comment je vais la démolir? Est-ce que je vais la démolir avec des moyens manuels, c'est-à-dire avec un marteau et burin et pioche et machin, ou là, avec un compresseur? Chargement des décombres. Je prends les hommes, je manuellement, donc les ouvriers. Donc si je fais ça manuel et tout, ici, il me donne un prix, d'accord? Je pense en mètre cube. Alors allez, je vous montre ça, parce que regardez, ici, vous avez cahier des charges. Vous avez les termes qu'on retrouve dans les descriptifs et les cahiers des prescriptions techniques. D'accord? Démolition d'un mur en maçonnerie de briques creuses en terre cuite avec moyen manuel et chargement manuel dans le camion ou la benne. Voilà. Élément porteur, zone à démolir, autant identifié, tac, 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 et vous avez des informations. En plus, si vous venez ici, vous cliquez ici sur le lien. Si je clique ici, il va m'ouvrir un fichier Excel avec toutes les informations. Donc après, vous pouvez le prendre et changer les données. S'il vous plaît, monsieur. Oui, merci. Monsieur, merci. Juste où vous avez cliqué, monsieur. Allez, je vais te montrer. Pour avoir Excel. Enfin, sur Steiner. Excel, le symbole est Excel. Il y a Excel, les versions CDEM avant 2003. Oui. Et le Excel, je dis, tu cliques sur celui-là, j'ai cliqué là-bas, il m'a ouvert ce fichier.
نجي هنايا دون ميز اون باج نقول ليه اورينتاسيون بحال دابا بيزاج باش يجمع لي هادشي كله. اوكي ميرسي. اي لا جي هذاك لو فيشي افيك لي انفورماسيون اللي عطاني. الوغ ميو انكور دونك جو ريفينيغ ايسي. دونك هنا جيت ديمونيسيون كنت هنا ديمونيسيون. مسيو. وي وي. Actualité. Alors ça, je peux pas te garantir, mais au moins ça te donne une idée et ça te donne déjà la décomposition au niveau des cahiers des charges si tu veux prendre des informations, d'accord. Normalement, il actualise parce que les prix quand je vois, d'accord, ils ne sont pas trop bas ni trop chers. Mais c'est une moyenne. Alors maintenant, si je viens ici, il y a des démolitions. Donc je vais venir ici, je vais prendre bloc de béton, pierre, trailer, quinte mur, premier mur. Voilà. De démolition, démolition d'un mur, démolition, béton branché, bloc de béton, panneau en béton, brique en terre cuite. Là je suis dans démolition. Démolition d'un mur en on pisait ou le bien en brise là de la vraie niche d'aide à faire un petit bon je vais annuler les notes décomposées structure grosse œuvre mur d'accord n'aille un dit démolition béton branché bloc de béton brique en terre cuite voilà. Quel type de mur je vais construire? Mur de façade, en maçonnerie, puis quand je vais cliquer sur elle. D'accord. Tiens, tenez, obtenez le choix de quel type de brique je vais choisir. D'accord. La pose yellow. Deuxièmement, brique en terre cuite à 8 trous. Les dimensions yellow. D'accord. Et après, obtenez Naya Andy Awada, le prix yellow. Le mètre carré des les murs. Donc si je viens, je clique encore ici, il va m'ouvrir un autre fichier. Voilà. Où j'ai déjà mur de façade appuyé. Donc là, vous revenez ici pour l'instant. Donc, il vous donne les informations. Vous pouvez copier. Alors, ce que je, le conseil que je vous donne, chaque fois que vous faites un stage, donc ce qui est bien, c'est vous devez vous faire une base de données, prendre des copies de marché de CPS, bien sûr, vous demandez l'autorisation, si possible, entre parenthèses, vous demandez l'autorisation, pour prendre une copie de CPS, si possible en format Word, comme ça vous pouvez, je vais vous montrer tout à l'heure, changer des choses, de titre, des trucs comme ça. Et en même temps, ça vous permet d'avoir des marchés pour les lotissements, pour les marchés publics, les marchés privés, même des plans, tout ça, ça sert. D'accord. Ce n'est pas pour faire du copiage, mais personne ne crée un marché, mais à quel titre il le crée. On prend toujours référence par rapport à d'autres choses qui ont été faites. Donc, c'est pour la partie brique. Autre chose, je vais vous montrer, très important, passerelle. Aménagement et finition. Alors, je vais être là-bas. Menuiserie intérieure et meuble. Menuiserie, revêtement. Menuiserie intérieure, voilà. Meuble de cuisine, comme chauffe-porte, armoire, démolition. Store et rideau, ancrage, escalier, garde-corps, main courante, enduit traditionnel, peinture. Je coule l'eau. Escalier préfabriqué, garde-corps et main courante. D'accord. Porte intérieure. Si je clique sur porte intérieure, par exemple, il va me donner à obtenir précave, armoire encastrée et placard. Si je clique sur armoire. Ah ouais, de porte intérieure, coupe-feu. Alors, admettons, je suis un coupe-feu. Je suis allé à l'architecture, je suis là le premier semestre. Rien de gratuit. Trappe de visite, coffre-fort. Donc là, porte coupe-feu en acier galvanisé. Voilà.
Il va vous donner derrière, et voilà. Il cherche l'information. Voilà. D'accord. Donc, barre anti-panique. Je lis la barre anti-panique. Et avec la barre, cette cône horizontale, on peut appuyer dessus, la barre, elle dit la poignée. La barre anti-panique, c'est avec la barre, cette cône transversale. On appuie dessus, la porte, elle s'ouvre. Comme dans les cinémas, les trucs comme ça. Voilà, la couleur, vous pouvez choisir la couleur, les dimensions, etc. Hier, j'ai été tombé sur les portes-fenêtres en aluminium, donc il y avait tout un détail, les vantaux, tout ça. Après, je ne les retrouve plus, c'est pas grave, gestion de déchets. Revêtement de sol, revêtement de plafond, revêtement de mur, de l'écarlage. D'accord, si vous cliquez ici. Céramique. D'accord. Carrelage de sol en céramique pose en couche mince. On pose double couche épaisse. Un, deux verres. Donc, je peux l'eau. Donc, voilà l'intérêt d'être le site. Donc, joint mince, les joints, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Le type de matériaux, résistance au glissement, capacité. Donc après, vous cliquez sur tous les trucs. Est-ce que vous allez coller au mortier colle ou là à la colle ou là les dimensions via le carrelage. D'accord. Le prix. Vous pouvez rentrer le prix ou là où on le prix, la couleur. Et après, il vous donne ici à obtenir la même, on va dire 135 dirhams, le mètre carré. Donc voilà pour être la partie concernant être le logiciel. Donc maintenant, je vais aller sur les marchés. Donc le marché, on va revenir ici. Voilà. Donc en général, qu'il y a trois types de, en fait, qu'il y a le bureau d'études, qu'il y a la coordination. Maintenant, de plus en plus, on trouve de la coordination sur les gros projets. Et on va trouver aussi donc la gestion déléguée, maîtrise d'ouvrage déléguée, gestion déléguée, coordination OPC, là, le bureau d'études. Alors hier, on m'a demandé qui c'est qui faisait les PV. Ça dépend. Si on a une coordination, c'est la coordination qui fait les PV. Si c'est dans la mission du bureau d'études, le maître d'ouvrage peut se mettre d'accord avec le bureau d'études pour faire les PV. Et le bureau d'études, la mission dialogue, c'est ça, mais à la grosse œuvre. En général, si c'est un bureau d'études, gros œuvre. Donc après, en général, souvent, c'est l'architecte aussi qui peut écrire les PV et les distribuer. Alors, elle est à la page de garde avec le projet d'El Rabat. Donc, vous avez le nom du maître d'ouvrage, le nom de l'architecte qu'on a pris sur Rabat, le bureau d'études, Stargate, d'accord, et le bureau de consulting, l'OPC. Donc, c'est eux qui ont fait les marchés. Donc, le CPS... En fait, c'est un document où on va trouver des documents, des informations administratives, juridiques et financières. D'accord ? Donc, tout ce qui est administratif, juridique et financier concernant le projet. Généralement, c'est les mêmes articles qu'on va retrouver partout. Alors, ça dépend bien sûr si c'est un marché privé ou un marché public. D'accord ? Donc, mais c'est des termes qu'on retrouve d'ailleurs, les actes d'engagement, cahier des prescriptions spéciales, alors objet du CPS, définition de l'opération, division en lot, d'accord, l'ordre de service, exemple les comptes, l'archive d'Akshi, page 12, si on va sur la page 12, juste pour vous expliquer, je vais l'intercer vite. Alors on a regardé, on a les plans d'architecte, la liste des plans qui sont mis à la disposition, l'ordre de service. Le commencement des travaux interviendra après signature du marché et établissement d'un ordre de service du maître d'ouvrage qui devra être donné dans un délai maximum de 90 jours, suivant la date de signature du marché. L'entrepreneur devra alors commencer les travaux dans les délais fixés par l'ordre de service. Donc, les chikoulos, c'est des choses qui reviennent, des choses, pièces administratives, déclarations sur l'honneur, attestation. Alors, là, il y a bien sûr, des fois, quand c'est un marché public, on peut nous demander une attestation des impôts. Est-ce qu'on a payé nos impôts? D'accord?
si c'est une société, les documents qui donnent à la personne qui est chargée, habilitée de signer le marché, agissant au nom de l'entreprise. L'attestation délivrée depuis moins d'un an de la CNSS. D'accord ? Ben là, l'entreprise, elle a payé, elle paye ses ouvriers, elle est inscrite à la CNSS. Attestation de visite des lieux. Quand c'est un bâtiment, quand c'est pas un projet qui va monter du sol, de terre, je dis, on demande une attestation de visite des lieux. C'est-à-dire que vous êtes parti, vous avez visité l'immeuble ou le bâtiment, ou l'usine, pour pour connaître tous la nature de l'immeuble sur lequel vous allez intervenir. Donc là, voilà, c'est financier, Hachikoulo, regardez, il y a 67 pages. Donc, tout ça, communication des pièces aux entreprises, dès le jour d'ouverture des plis, comment ça va se passer, quel type d'enveloppe, machin, Hachikoulo, voilà. Donc ensuite, voilà, les bureaux d'études, les gens qui sont impliqués, les pièces contractuelles. Alors tout ça, regardez. L'acte d'engagement, décret numéro 2-12-429 du 8 Jumada. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, qui sont publiées, bulletin officiel. Les documents, et donc on demande les pièces contractuelles. Le cahier des clauses administratives, ça va très important. Le CCAG, voilà. Donc tout ça, les textes spéciaux, donc on met une liste des documents coulants. Bien sûr, si vous construisez une petite villa ou un immeuble R plus 2, flou, alpha, ou là quelque chose, quels sont les petits projets, les moyens projets, les grands projets. Là, on parle de moyens projets et de grands projets. Maintenant, si vous tombez sur un client qui veut que ça soit, tout soit fait dans la règle de l'art, pour un petit villa ou le GHA, vous faites un marché. Alors, donc tout ça, retenue de garantie. Voilà, donc c'est comme elle est à premier semestre, la retenue de garantie. Voilà. Retenue de garantie à prélever sur les montants des travaux sera de 10%. Plafonné à 7% du montant du décompte définitif, reste acquise de plein droit. Donc voilà, compte tenu des prix, je ne sais pas si vous avez eu entre les mains des marchés. Ou là, hier, quand j'ai fait ça, les gens, les étudiants n'avaient pas vu de... n'avaient pas connaissance de marché. Alors que vous êtes en quatrième année, où normalement, vous devriez avoir au moins deux ou trois heures de cours sur ça. Appréciation des travaux, révision des prix. Alors, révision des prix. Les prix unitaires sont fermes et non révisables. Ça veut dire, les prix, une fois que vous avez fini de connaître les prix, ils sont non révisables et non actualisables. Il y a un débat, au bout de 6 mois, le prix de l'acier, il a changé, ou le béton, le GHG, vous avez rentré un prix, vous soumissionnez avec un prix, vous ne pouvez pas venir dire non, s'il vous plaît. Allez, les prix ont augmenté, maintenant, donc les prix ne sont plus en vigueur. Travaux ou bien prix global ou forfaitaire, voilà. Donc, décompte provisoire de travaux, donc tout ça, c'est juridique, travaux urgents, travaux supplémentaires, s'il y a des travaux supplémentaires. Les délais d'exécution. Alors, le planning. Planning enveloppe. D'accord ? Planning enveloppe, c'est le planning général de toutes les autres corps d'État qui rentrent sur le chantier. Donc, là, voilà. Amende prévisionnelle pour non-respect du planning. D'accord ? Donc voilà, bon, donc, je pense que vous avez compris. Donc le CPS, pénalité pour le réserve, amende pour retard dans la remise des pièces, retard dans le nettoiement, c'est le nettoiement de chantier. Retard, 1000 dirhams par jour. D'ailleurs, donc Hachikoulo a obtenu la personne qui a fait ça, le premier qui a fait ça, n'a pas inventé ça. Il y a des règles, le CCAG, d'accord, c'est un document qui a été publié, par l'autorité en charge de la construction de l'urbanisme. Et ouais, les articles, ils sont là, on les reprend, on les recopie. Absence de rendez-vous au chantier délégation. D'accord. Retard pour réunion de chantier, 500 dirhams par demi-heure. Bien sûr, on check et bino, mais on ne le pratique pas. Absence, 2000 dirhams. La machine. Donc, voilà.
la direction des travaux. Alors, ça, c'est important, je vais vous lire. La maîtrise d'œuvre désignée par le maître d'ouvrage est composée de l'architecte et du bureau d'études. Le maître, d'accord. Elle est chargée de la direction et du contrôle de la conformité des ouvrages et elle seule qualifiée pour interpréter les plans, devis et prescriptions. La maîtrise de chantier est assurée par l'organisme chargé de la coordination des travaux. Voilà. Accès au chantier. Donc, tout est connaissance du dossier, contestation d'erreur, propriété, qualité des travaux, études préparatoires. Voilà. Donc, d'abord, à Dindouz, le CPT. Il y a des prescriptions techniques. Bureau de chantier, ouais, le bureau de chantier. Voilà. Chauffe les détails, les détails. Les bureaux devront comprendre un local fermé à clé équipé de rayonnage, une salle de réunion de 4 mètres par 3 mètres équipée de tableaux d'affichage, prix d'installation, d'accord, éclairage, opération, une liaison opérationnelle d'Internet et d'équipement de fourniture de bureaux, sanitaire, WC et lavabo. Voilà. Donc ça, il y a deux LED d'abord. Le CPT. Alors à la fin, bien sûr, vous avez ici les signatures égalisées. Il y a l'autre document 67. Là, donc, qui n'est pas de la page. Donc là, il y a le cahier des prescriptions techniques. Là, c'est le lot revêtement. Donc on va trouver maintenant ici, regardez, la nature des travaux. La qualité des matériaux, le type de carreaux, les liants, le sable, les eaux de gâchage, à obtenir des parties, tout l'homme, c'est vraiment, c'est des choses qu'on prend et qu'on copie et qu'on remet à chaque fois. Bah, bien sûr, il faut qu'ils correspondent aux matériaux qu'on va utiliser. Joint de grosses œuvres, joint de fractionnement. Donc, si je viens ici, voilà, nature des travaux, on décrit les travaux, connaissance des lieux. Qualité des travaux, carreaux de grès céramique doivent être le premier choix à répondre aux normes en vigueur. Donc, il y a le tableau, il y a le type d'habitation, les critères, il y a l'homme, il y a le ministère. Donc, tout ça, c'est des documents. On fait du copier-coller. Après, les sables. Comment les sables doivent être utilisés? L'eau de gâchage, l'eau, comment elle doit être? D'accord? Elle ne doit contenir aucune matière nuisible en solution ou suspension. La confection des mortiers. Dosage. Voilà le dosage, ou une dilatation, mode de pose, carreau sol, comment ils vont être posés, à la règle ou à la batte, joint entre carreaux, nettoyage et protection, carreaux muraux, le support, les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un récipient d'eau propre, des détails coulants, revêtement en marbre, tous les marbres, et ainsi de suite. Donc, en arrière, voilà. Après, la partie descriptive. Voilà. Donc, c'était le cahier des prescriptions techniques. Maintenant, le descriptif. Il va rentrer, Naya, revêtement de sol, suivant échantillon approuvé par l'architecte, fourniture et pose de carreaux d'importation, on peut rentrer même la marque si on veut, donc l'architecte choisit. Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes, graisse et rame d'épaisseur 9 mm, etc., etc. Et donc, on prend les fiches techniques des produits et la personne qui a fait le marché ou le descriptif, elle les incorpore ici. Localisation, enfin, déjà, ouais, la localisation de les carreaux, revêtement de sol en carreau local, etc., etc. La machine, revêtement de mur, localisation, etc. Donc ça, c'est le descriptif. C'est à partir de ce descriptif, il y a les têtes de chapitre, dialo, les détails, marche et contre-marche en pierre de 16 ans. Tout ça, on va les retrouver ici dans le bordereau de prix. D'accord? Là, il y a obtenu revêtement de sol, carreau d'importation. On a les quantités et les unités, ou en mètre carré, ou en mètre cube, ou en mètre linéaire. Par exemple, pour la plinthe, plinta, mètre linéaire. Ou l'ensemble forfaitaire, l'ensemble, là-bas, encadrement panneau, ascenseur, il y avait un ascenseur, l'ensemble, voilà, divers revêtements. Donc moi, ce que je vous avais dit, pour faire le planning, vous vous inspirez de la partie ready, plus ou moins pour récupérer les tâches principales, les tâches subordonnées. OK, donc voilà, je vous ai fait un petit tour rapide, il y a les documents ready, pour que vous ayez une idée. Donc maintenant, il y a 5 minutes,
Je vais vous montrer l'exercice que j'ai mis dans le fichier, dans le groupe. Donc, c'est ceux qui veulent le faire. Donc, c'est un peu le même principe que l'école MC. Donc, c'est à la rénovation d'un hôtel. Donc, il fait deux étages. On va rénover l'hôtel. Donc, on va dans une première phase, vider toutes les chambres de leur mobilier, enlever toutes les sanitaires, les décaper le carrelage, les salles de bain, retirer les moquettes. Et dans une deuxième phase, poser de nouveaux carrelages dans les salles de bain, de nouveaux sanitaires, faire le faux plafond, luminaire, le parquet, ainsi que les travaux de peinture. La troisième phase consiste à poser dans les chambres le nouveau mobilier et installer tous les accessoires, mini-frigo, TV, miroir. Donc là, je vous donne les dates de début et de fin, les heures de travail, voilà, configurer les heures de travail cadre. Je vous donne les coûts fixes, Amadou, les coûts fixes, et je vous donne les ressources. Les ressources, je vous ai donné ici les montants d'hommes et les taux standards, Amadou, ici, et vous avez les coûts fixes. Donc, vous pouvez avoir coût fixe, les coûts des ressources, et avoir le coût total. Par contre, voilà pourquoi je vous montre ça aussi. Regardez ce que j'ai mis ici. Dans les liaisons prédécesseurs, je vous ai mâché le travail. En général, quand je fais l'examen, je donne à de la partie ID. C'est à vous de la traduire dans le langage de MS Project. Alors, quand je dis ici, la tâche 5, enlevée sanitaire, elle commence un jour avant la fin de la tâche 4. Dans le langage MS Project, qu'est-ce que je dois écrire ici? 4FD-1. Oui, très bien. Voilà. 5FD-1. Au début de la tâche 6, il y a 6DD. 6FD-1. Voilà. 4 jours avant la fin, 3 jours après la fin de la tâche 6, il y a 6FD+3. Donc, le QCM, je vais sûrement vous donner, expliquer comme Halaba, un jour avant la fin de la tâche 4. Vous avez 3 réponses au choix. Est-ce que ça veut dire 4 fois DD ou là, je verrai la réponse juste et 2 réponses fausses. Donc, c'est à vous de choisir la réponse juste. Entre autres, il y aura 2 ou 3 petites questions comme ça, et des questions concernant les ressources, le coût, des petites choses comme ça. Quels sont les documents qu'il faut pour commencer à faire un planning? Est-ce qu'il faut... Donc, c'est à vous de choisir, donc ça ne va pas être compliqué. Donc, voilà, Adad le TP, il est là pour ceux qui veulent le faire et me l'envoyer. Donc, et voilà. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on a... Une dernière cours, je vais faire une révision générale de l'OUL, c'est la fin de la démarche cool. Donc là, je vais faire l'appel pour voir combien vous êtes. Alors, donc la semaine prochaine, normalement, on sera libéré, donc le jeudi, avec le 11. Alors, vous êtes 28.